Oh mon Dieu, jugé pour avoir fait croire que sa maison était hantée. Salut, c'est Matt Compagnie, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous proposer un reportage. Donc je vous explique, en fait, c'est un couple en gros qu'ils ont eu des phénomènes paranormaux chez eux. Et qui sont passés à France 3. Et après, ce couple en fait a été jugé pour avoir fait croire que leur maison était hantée. Donc voilà, donc je vous invite à regarder ce reportage et mettre un commentaire et la partager. Voilà. Tous ces trucs-là, ils étaient par terre. Hein. À quelle heure hier? Bah, c'est commencé à 1 h jusqu'à 10 h, 10 h 30. Ça... Parce que c'est le soir que ça commence à péter. Et vous allez nous montrer un petit peu tout ce qui a été Bah, vous cassé? venez de constater, hein, Ouais. regardez. Où sont les dégâts alors? Bah, partout. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, il y en a partout. Ça, vous n'allez pas me dire si on vide ici, on vide là. On vide là, on vide en haut. Là, c'est pas vidé. Ici, ça, c'est accroché au mur. Ça a été arraché du mur. Là, j'avais un machin qui est parti, une assiette qui est partie. Vous voyez? Ouais. Ça, parce que si vous enlevez ça du mur, vous laissez les vis, ils sont fixés quand même, merde. Le panneau là, celui-là. Il a été arraché parce qu'il faut le tirer. Il y a plein de trucs qui sont lourds. Et comment vous expliquez ça? Bon, ben alors là, s'il y en a un qui peut m'expliquer. La télévision, elle était placée là-haut. Ouais. On entend un peu bruyant. J'ai un petit gamin qui est chez moi pendant en vacances. Il m'appelle en urgence. Il me dit, écoute, la télé est tombée. Je viens en vitesse. Bon, ben, j'ai dit, tant pis, hein. Je la remets en place. Je repars un peu, voir faire mon petit travail, hein. Retombe. J'ai dit, maintenant j'ai pris la décision, je l'attrape, je la mets sous la table. La police, comme la police nationale vient, on discute, je montre. Il me dit, vous savez, monsieur, ils sont sceptiques comme moi, j'étais sceptique. Je lui ai dit, écoutez, vous montrez qu'est-ce que j'ai fait moi. J'ai tapé ma femme ou quoi que ce soit. Parce que c'est pas possible, j'ai fait un champ de bataille. Il y en a un des trois qui est knock-out. Elle me dit, non, ils ne comprennent pas. Alors cette dame, elle vient, se met là. C'est comme ça. Puis on discute tous les cinq. Puis tout d'un coup, la télé, pouf, par terre. On est sorti à toute vitesse, tous les cinq. Et après, on a entendu encore un coup de paf! Alors là, j'ai dit, c'est bouclé. Alors, ils ont fait le nécessaire. Et encore, les pots de fleurs, là, tout ça, c'était pas cassé. Puis après, ça commence à... Tac, 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 tac. Et tout le temps. Il y a un petit coup de fleurs comme ça, qui est parti sous la vie. On dit, attention. On peut pas dire, vous voyez, c'est... Regardez. Ça, ça va bouger. Ça, ça s'est ouvert. Vous voyez, c'est ouvert. Qu'est-ce que si la terre elle tremble encore, il y a tout qui tombe, mais là c'est vrai. Donc quand vous étiez dans cette pièce, il ne se passait rien. Ça ne se passait rien. Et ça se passait de l'autre côté. Et une fois que vous alliez à la cuisine, ça passait ici ou ailleurs. Il y a toutes les pièces qui passaient, il n'y a que les WC qui n'ont pas été touchés, et ni le garage. Le garage, il n'a eu que des pots tombés tout seul. Voilà. J'ai le bouquet qui traînait dans des pots ici. Mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. Tout d'un coup, je vais voir ma voisine pour qu'elle vienne prendre des photos parce que j'ai dit, on va me dire que je suis fou. Je pars par là-haut, ma voisine elle vient vers moi, le bouquet qui commence à foutre le camp pour aller la chercher. Le bouquet de fleurs, le en plastique. Fleurs. Elle s'est sauvée. Après elle est revenue, elle a pris quelques photos, puis elle a entendu les bruits. Et quand elle a reculé, la dame, les fleurs ils sont tombés, ils sont arrêtés, tac, tac, ils sont tombés. Voilà. Tu vois, c'est. Et puis le problème, vous voyez, regardez ici, il n'y a rien. C'est incroyable. Ici, incroyable. Ça a passé, ici, dedans. Oui. Vous voyez, ici j'avais des trucs, tout. Après alors là, celui-là il a explosé. Comment il fait pour exploser? Parce qu'on n'explose pas comme ça, c'est un grand coup de poing. Ce meuble-là, il était là. Le quoi? Le meuble-là. Oui. Il était là. Oui. Vous voyez, je le laisse comme il est. Regardez, ici, on n'a pas touché. Ici, ça a été massacré. Tout ce qu'il y a là, vous voyez, ils sont là. Vous voyez? Voilà, le problème que j'ai, c'est tout est parti. Ici, il y avait des affaires de toilette. Ici, il y avait un gros bac dans le temps pour se laver les mains et la figure, comme dans le temps. Oui. Tout a disparu, par terre. Ici, il y avait trois pots disparus. Ils sont par terre, ils sont où vous voulez. Là, j'en ai, ils n'ont pas bougé. Ici, il y avait deux petits trucs.
Ils sont partis, ça a été cassé. Donc le fer à repasser, il était coincé dedans, là. Il était coincé dedans. Bon, il l'a récupéré, puis il l'a posé où c'est que vous l'avez vu, là. Et le fer, il s'est cassé. Il est parti du couloir. Parti du couloir. Il a fait le tour. Jusque dans la fenêtre de, cette... de la chambre. Voilà. Jusque dans la fenêtre de la chambre. Et ce qui était sur la commode est par terre. Est parti. Ça a été nettoyé. La vidéo vient de finir, donc tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube avec le rond et aussi d'aller regarder mes autres vidéos. Allez, merci à toi.